Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon appétit, bienvenue de retour sur Myst 4. Ça fait 2 semaines qu'on n'y avait pas joué, j'essaie de me souvenir de tout. C'est très compliqué, j'ai gardé quand même mes notes justement du dernier live, où je me souviens qu'on avait découvert 3 combinaisons, possiblement 3 combinaisons sur les 4, qu'il nous fallait pour mettre en branle tout le système et toute l'île en elle-même, faire résonner les 4 cristaux pour pouvoir tout péter. Je vais juste commencer. Alors, il nous manque une 4e combinaison, mais avant de dire ça, je vais tester les 3 combinaisons qu'on avait gardées sur place. Oui. Allume-toi. Ah oui, on a vu qu'en appuyant sur espace, on passait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, on descend. On descend. Quoi? Bah, descend, voilà, putain. Donc on descend, on va descendre tout en bas pour essayer les combinaisons. Normalement, alors on s'était pris la tête avec Romain, je sais pas si vous vous souvenez, qui n'arrivait pas à comprendre le système par 12 de crans ici et de pierres, d'équilibrage de pierres. Mais je suis relativement... Oui, voilà. Je suis relativement confiant sur mon système et que j'avais raison. On va voir du coup si nos combinaisons sont bonnes. Alors. Non, c'est pas. Non, voilà. Ces combinaisons-là, voilà. Là, ce qu'on a placé, c'est bon. Non, il faut surtout pas que j'y retouche. Parce qu'en plus, je me souviens même plus de tout ce que j'avais fait. Ok, donc c'est ici que ça se passe. Alors. Donc. On avait 8, 12, 4. Celui-là, on est sur... Ah oui, on voulait tester le 1, 10, 5. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi j'ai autant de trucs qui restent? Ah, est-ce qu'il y en a une qui vibre? J'ai la souris qui fait n'importe quoi. Ah oui, alors désolé YouTube, on joue dans des conditions un petit peu difficiles. Non. Lui, c'était le tout premier, donc c'est pas lui. C'est normal, Romain, il code pas. Re-zuto. Y'a rien qui tremble. Merde, ça veut dire que 1, 10, 5, c'est pas une bonne combinaison. On entend un petit truc, hein. Pizza Hawaiian, bonsoir. Oh, salaud, putain. Donne faim avec tes pizzas. Je vais rester sur 1. Là, c'est 11, 12, 10. Y'a rien qui vibre. 10. J'essaie de rééquilibrer ces trucs à lui. Mais non, ok, donc 1, 10, 5, c'est pas une bonne combinaison. Ah, putain. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Voilà. Pour éviter de retaper toutes les animations. Ok, charge ça. Ne pas sauvegarder. Ok. Bon. Alors du coup, ce qui a marqué là, ce ne sont pas des bonnes combinaisons. Donc 1, 10, 5, c'est pas bon. Et merde, du coup, il nous manque donc deux combinaisons. Fais chier, putain. On a 8, 12, 4 et 12, 12, 12. Ça, c'est sûr, ça marche. Il nous en manque 2. Là où t'étais tout à l'heure, le 0, 11 dans tes photos. Ça veut dire qu'il y a une bonne combinaison dans tout ce qui est affiché. Oh non, ça veut dire qu'il faut tout essayer. En soi, ça peut se faire, c'est pas si long que ça, en vrai. Donc attendez, on va passer par là. Charger... Ne pas sauvegarder. On peut essayer. On peut essayer. Alors attendez. Je vais mettre ça de côté. Je vais noter toutes les combis. Parce que le système de photo est sympa, mais quand on doit manipuler en même temps, ça devient de la merde. Donc attendez, je vais le noter. 1, 10, 5, on sait que c'est pas lui, on l'a tenté. Ça fait rien. Il n'y a aucun cristal qui réagit là-dessus. Donc on va tester les autres.
Rentre dans la machine. Oui, d'habitude, je crie ou... Non, pas de spoil, pas de spoil. Mais là, c'est tellement chiant et tellement long à chercher quatre pauvres trucs dans un monde où à chaque fois que tu fais un pas... Ah oui, non, faut que j'attende que tout se remplisse, voilà. Ou à chaque fois que tu fais un pas, il faut que t'attendes trois cinématiques. Tu as une bonne combinaison déjà, c'est laquelle? J'en ai deux de bonnes. J'ai... En bonne combinaison, j'ai 8, 12, 4 et 12, 12, 12. Alors, pour vous montrer, hein, comme ça on va vérifier, tiens, on va vérifier nos acquis. 8, 12, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça met en branle celui-là. Ensuite, il y avait 12, 12, 12. 12, 12. 12. Qui met en branle lui. Voilà. Et on sait que ces deux-là sont bonnes. Après, bon, on va tester toutes les autres. Donc il te manque le noir et le bleu. Oui, c'est ça. Exactement. Alors. Il y a 1, 0, 0. C'est pas ça. 1, 0, 1. C'est pas ça. 1, 1, 1. C'est pas ça. 1, 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas ça. 10, 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ! 3, 1, 6. C'est 3, 1, 6. Oh ! Putain, mais c'est complètement pyrrhique en plus. 3, 1, 6. Ok. On en a une deuxième. Et donc, si je continue, 3, 1, 6, donc j'étais sur 10, 1, 6. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Donc 10, 1, 6, c'est pas bon, mais attendez. 8. 7. 6. 5. 4, 3, ah non, là, je suis... non, 2, 1, 2, 3, mais c'est ça, c'est 3, 4, 5, 6. J'entends encore que ça vibre quelque part. Ah oui, non, c'est parce que c'est l'animation qui mettait vachement de temps à s'enlever. Ok, donc on va mettre, alors 12, 11, 10, 1, 12, 11, 10, 9, d'accord, il va faire descendre à 9 à chaque fois, ce con. Des fois, le son, il a un peu de retard. Ouais, j'ai l'impression, ouais. 10, 10, 6, 6, 10, 6, 6. Ouais, faut se fier à l'animation, quoi, en fait. 5, 6. Ah, c'est 10, 6, 6. 10, 6, 6. Non, 10, 5, 6. Donc 10, 5, 6. Attendez, je regarde s'il est bon. En fait, j'ai juste à regarder s'il y a le cran qui se met en route. Ah, mais comment déjà on le fait pour... Ouais, d'accord, ok. Ça a l'air d'être bon. 10, 5, 6. Alors. Maintenant, il s'agit de tout faire dans l'ordre. Alors, comment on fait dans l'ordre? Voilà.
Il y a un système de mécanisme qui tourne. Putain, j'ai des miettes sur mon truc. Insupportable. Il y a un système de mécanisme qui tourne quand on en met une en route. Par exemple, je fais 8, 12, 4. 5, 6, 7, 8. 12. Et 4. 3, 4. Ouais. Lui, il se met en route. Voilà. Alors, le seul truc, c'est que là, on a la bonne fréquence, mais... Regardez. Dès que je mets... Alors, c'est quoi, déjà, la manette qui permet d'enclencher le début du truc? Je sais plus ce que c'est, tout ça. Merde, non, j'ai plus. Hein? Il y a un truc qui tourne. Je sais plus comment ça faisait pour tourner, déjà. Ah, mais je suis... Ah, désolé, ça fait 2 semaines. Comment ça tourne? Est-ce que ce serait pas en faisant un 12-12-12? Un 12-12-12 déjà, c'est... Ouais. Ça fait tourner, lui. Hop! Voilà, il tourne. Regardez. Il y a un trou à chaque emplacement. D'accord, le 12-12-12, c'est le dernier. Parce que c'est celui qui met le moins de temps. Ouais, et là, paf, il se bloque. Il faut arriver à tous les faire trembler en même temps. Donc 12-12-12. Quatrième. Donc c'est tous les un quart de tour. Il fait chier. Il se rebloque. Donc ça va être le dernier qu'on va enclencher sûrement. Tandis que le 8-12-4... 12... 11... 10... 9... 8... Merde, à chaque fois il me remet un cran en dessous, ce con. 8... 12... 1... 2... 3... 4... 8-12-4, voilà. C'est lui. Ah, il vibre pas assez. Il vibre pas assez. Pas 8, 12, 4? C'est 7... 7, 12, 4? 7, 12, 4. Lui, voilà, lui, il est super long à faire un tour. 7, 12, 4. Ah. Lui, c'est peut-être le premier, du coup. Et... un tour entier. Mais un tour entier. Ensuite, on a 3, 1, 6... Regardez le 3-1-6. 4. 5, 6. 1. Ta mère. 1, 2, 3. Lui. C'est pas assez? Il vibre pas assez? Merde, il vibre pas assez. C'est pas 3-1-6. 3, 2, 6. Non, le 1 était bon. Mais pourquoi c'est l'autre en haut à gauche qui vibre? Qu'est-ce que c'est ces conneries? Mais qu'est-ce que... Mais arrête de... Ah ouais, mais c'est parce qu'il a pas fini son tour. Attends, c'est quoi? Annule tout. Stop, arrête tout. Ah oui, d'accord, il est obligé de finir son tour. 1, 2, 3. 1. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a l'air bon. Voilà. C'est bien ça. Alors lui... Ah, lui... Ah, on voit les deux crans. Ah, on le voit.
Donc lui, 3, 1, 6, ça va être le deuxième. Tous les 1 demi-tour. Tous les 1 demi-tour, il y a un cran. Sauf si le dernier, c'est tous les 1 tiers de tour. C'est tous les 1 tiers de tour. Ok, donc celui-là, c'est le troisième. Et lui, là, celui qu'on voit à l'écran, c'est le deuxième. Non. Non. Non, c'est bien ce que j'avais dit. Deuxième pour le demi-tour, troisième pour le tiers. Ok, donc il va falloir qu'on fasse 7, 12, 4, 3, 1, 6, 10, 5, 6, 12, 12, 12. Et là, normalement, tout vibre en même temps. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être le merdier. Ok, stop. Arrête ça. Voilà, on attend que lui finisse son tour. Et après, ça va être... La bonne citronade. Ah, ça va être la grande fête. Ouais, j'imagine que tout va péter. Ça va être la grosse marade. 7, 12, 4. 3, 1, 6. 10, 5, 6. 12, 12. Ok. C'est bon? Il a fini. C'est vrai que le son, il met plus de temps. Il y a un retard au niveau du son. Arrête! Allez! Putain, mais arrête le son! Y'a rien qui vibre, y'a rien! Cloum cloum. J'avoue, je suis en plein suspense à savoir si tu veux réussir à faire venir tous les cristaux. Ah bah oui! Attends, là on arrive au bout du premier monde prison là. Non, parce que normalement, si on en suit ce qui s'est passé, ça risque de faire tout péter. Ah, mais le son, d'où, qu'est-ce qui vibre? Rien qui vibre. Tout est repos là. Bon, allez, vas-y, merde. Hein. Voilà, le jeu a décidé de me faire chier. Alors, commencez donc par le plus chiant d'ailleurs, ça tombe bien. 7, 12, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12. Allez. 1, 2, 3, 4. Dès qu'il va s'enclencher, on va passer à 3, 1, 6. Ah, c'est 8, 12, 4 finalement, c'est ça, tu vas me dire? Non, c'est bien 7, 12, 4. Yes! 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6. Après, c'est 10, 5, 6. Allez! Putain, mais il veut pas s'enclencher! Pas assez. 3, 1, 6 tout à l'heure, on l'avait fait. J'ai fait quelque chose. Putain. Ok. Bon, lui, bah, il est retombé. C'était pas 3, 1, 7. Ah si, 3, 1, 7. Putain, j'ai marqué 3, 1, 6. 3-7. Et donc là, après, c'est... Bah, là, on le fait juste pour le fun, mais 10-5-6. Donc... 10... Putain...
1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 du coup. Clac, il est enclenché là. Ouais, il est enclenché. Et après, ça finit avec 12, 12, 12. 12, 12, 12. Oh! Ça a marché! Ah merde, je croyais que ça avait tout refoutu en l'air! D'accord! Tac! Soulève-moi ça! Putain! Yes, enfin, on a terminé cette merde! Alors, finalement, pétard mouillé et tout, ça a rien explosé. Ok. Où les explosions, wesh. Grave. Moi aussi, je suis déçu. 10, 5, 5. Rembourser les invitations. Ah. Bon, je prends ça en photo. On sait jamais. 10, 5, 5. C'est quoi, ça? 12, 12, 12. Bah... J'avais pas de 10-5-5, moi j'avais du 10-5-6 en plus. Ok. Merde. Ah, il veut qu'on mette les cristaux là-dedans, peut-être. Ah non. D'accord. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il nous demande? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je fais? Ah, il y a un livre! Attendez! Ah, c'est là où on va s'amuser un peu. Ah, mais avant toute chose... C'est étrange. Quand je suis parti collecter d'autres cristaux il y a 9 jours, cette structure à l'intérieur de la flèche n'existait pas. Son existence est impossible. Et pourtant, elle est bien réelle puisque j'y suis entré. Je dois en tirer la plus inconcevable des conclusions. Père est toujours en vie. C'est à n'y rien comprendre. En dépit de l'agencement de cette chambre avec son mur de séparation et ses barreaux, nos retrouvailles risquent d'être tendues. 15 ans. Et à l'écouter, ça ne lui suffit pas. Cet âge n'était rien quand je suis arrivé. Tout n'était que rochers et débris flottants. C'est moi qui en ai fait un endroit vivable, et sans l'aide de personne. Si j'avais pu trouver quelqu'un pour m'aider... Mais non. Il ne veut pas parler de ce que j'ai accompli. Hormis ses livres, rien ne l'intéresse. Oui, père, je les ai brûlés. Pardonnez-moi. Ne pourrions-nous pas oublier le passé? Ne me laisserez-vous jamais sortir? C'était lui qui avait brûlé encore les livres dans Mister 1. Encore une soirée à jouer les repentis dans la chambre de liaison. Oh. Je perds mon temps. Rien ni personne ne pourra jamais le convaincre. Et mère, sa compassion est aussi inépuisable qu'exaspérante. C'est une faille que je dois pouvoir exploiter. C'est à n'y rien comprendre. Non, 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 c'est bien Cyrus qui avait brûlé les livres. Culpabiliser. Recréer une scène avec des figurines qu'elle verrait dans le moniteur. Si je touche la corde sensible, elle croira que je vis moi aussi avec mes propres remords. C'est intolérable. S'il n'a jamais eu l'intention de me libérer, pourquoi a-t-il créé cette chambre? Pour satisfaire son arrogance? J'ai compris, père. Tout ce que j'ai accompli ici ne souffre aucune comparaison avec votre œuvre. Votre pouvoir est grand. Pas étonnant que vous n'ayez jamais consenti à m'en dévoiler les secrets. Qu'à cela ne tienne,
Il est temps que je lui montre de quoi je suis capable. Il a l'air tout colère, le monsieur. Père, crois que nul ne peut entrer dans sa chambre. Il omet ces lois même qu'il m'a un jour expliquées. Fréquences et vibrations moléculaires. Les cristaux feront l'affaire. Si je trouve la bonne fréquence, leur champ harmonique créera une vibration fatale aux murs soi-disant infranchissables de la chambre qui se briseront comme du verre. Pas de doute. Je vais avoir besoin d'électricité pour y parvenir. Je dois réaccorder mon instrument. J'ai une sœur. Je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai, 15 ans, ouais. Je n'avais jamais envisagé cette possibilité. Cela ne doit pas m'affecter. J'ai déjà de quoi m'occuper l'esprit. Je dois intensifier la puissance qui parcourt ces câbles. Fabriquer d'autres conducteurs serait trop long. Je pourrais utiliser les pièces du réseau et brancher le reste directement sur le trône. Si je peux forcer l'entrée de cette chambre, ce sera inutile. Rien à faire. Il ne m'enseignera jamais l'écriture. Mes questions ne font qu'accroître ses soupçons. Si je me débarrasse de lui, les Denis m'aideront peut-être. Il me faut un échantillon. J'ai essayé de m'emparer des pièces dans la chambre en m'efforçant de préserver le cristal, mais mes efforts sont restés vains. Comment puis-je le convaincre de me donner une pièce ? Ou mieux, un ensemble de pièces. Je me demande s'il aime toujours jouer. C'était donc ma chère petite sœur. Je comprends pourquoi il l'aime tant. Ce n'est encore qu'une enfant. Pourtant, j'ai remarqué qu'elle m'observait, qu'elle cherchait à lire dans mes pensées. Que lui ont-ils raconté à mon sujet, d'ailleurs ? Quelle importance ! Il est évident qu'à leurs yeux, elle compte plus qu'Aknar et moi. Très bien. Je dois pouvoir en tirer quelque avantage. Le travail dans la caverne de cristal se déroule comme prévu. Mais j'ai perdu mon laboratoire et avec tous ces murs, je ne pourrai plus tester les fréquences. L'explosion m'a rendu prudent. Je préfère rester en suspension au-dessus du vide plutôt que de laisser des murs s'écrouler au-dessus de ma tête. Non ! Comment ose-t-il ? Comment ose-t-il l'initier ? Je ne le permettrai pas. Je ne laisserai pas une gamine avoir autant de pouvoir. Comment ose-t-il lui enseigner l'écriture ? Il y a sûrement un moyen de lui extirper tout ce qu'elle sait. Mais lequel ? Oui ! Ah, y a pas le oui ! Allez-y, père. Enseignez-lui. Si vous souhaitez vraiment confier ce pouvoir à Yisha, comptez sur moi pour ne pas en perdre une miette. J'ai trouvé la fréquence. Ok. Bon, bah là au moins on a toutes les révélations sur Cyrus, comme quoi déjà c'est lui qui avait fait la merde dans Myst 1 et qui avait entraîné son frère là-dedans. Beau frère à moitié fou là. Qui s'appelait comment déjà ? Akenar. Et donc il dit qu'il a trouvé la fréquence pour tout faire péter. Qu'est-ce que... Ah. Intéressant. La matrice interne peut accumuler une quantité illimitée d'électricité, mais la perd dès que le cristal est en contact avec un objet relié à la Terre. Comment vais-je isoler les cristaux avant de les utiliser ? Ok. Il écrit avec un alphabet à la con lui aussi. Il est Cyrus. Ah.
Ouais, bah du coup il a jamais appris à écrire l'écriture, il a jamais appris le déni. Et il essaye de, par le truchement et par la manipulation de sa sœur, d'arriver à ses fins et d'arriver à comprendre un peu tout ce qu'il faut faire. Mais du coup... Attends, c'est mignon, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? Ah d'accord, il faut peut-être que je prenne... Attends, mais je peux rien faire avec ça. Parce que j'ai compris qu'en fait le 10-5-5... Ah! Ah bah attendez. C'était pas la figurine de sa mère, ça? Et ça, ça doit être une pièce d'échec, j'imagine. Ah non, c'est une autre pièce. Ah non, c'est aussi ça, mais... Ah, il me faut peut-être que je trouve l'équivalent, mais en pièce d'échec. Mais dans quoi je le glisse? Ça, ça a l'air de passer par là. Ah. Je peux pas aller là-bas? Non. Ok, donc il faut que j'arrive à trouver les deux pièces pour les foutre là-dedans. Pour accumuler l'énergie, tout ça. Non. Alors attendez, parce que ça c'est relié à ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Décoratif? C'est décoratif. Alors ça c'est relié au gros merdier. Attends, parce que du coup, si je remonte là. Attendez, si je remonte, je vais être obligé de recommencer toute la merde là. Non. Et c'est relié à ça là. Alors, j'espère que non. Voyons voir. Si je fais ça. Et après, je fais ça. Ça le lève. D'accord. Donc en fait c'est bon, je l'ai débloqué forever and ever. Attends, si je refais 12-12-12. 12-12-12 c'est le vert, 10-5-5 c'est le noir. Ah! Attends, je vérifie quand même de mon côté. En plus, il n'y a même plus de bruit. Par contre, c'est... Ah! D'accord. 12-12-12. Et 10-5-5. Oh, voilà. Ok. Ouais, je croyais qu'en fait il fallait les récupérer dans l'univers de sa machin, trouver des équivalences en pierre. Ok. Je me suis pris un petit peu plus la tête que pour rien. Ok. Et donc. Ça a rien fait? Ça a rien fait? À moins que... Ah! Et donc là-dedans, j'ai le 12... D'accord, ok. Qu'est-ce que c'est que cette molette? Non? D'accord. Là, il est à droite, d'accord. Bon, il faut que je retourne en arrière faire 10-5-5. Oh, ça, c'est inutile, ça. C'est juste long et nul. Bon, 10-5-5, alors. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5. Ok, 10, 5, 5. Ah non! Si! Si, c'est ça! Pourquoi ça s'allume là?
Ok. Donc là, si je vais tout droit, maintenant, est-ce que j'ai les deux bonnes? Même si je sais pas en quoi ça... Qu'est-ce que ça va faire? Ok, j'ai les deux. Mais qu'est-ce que ça me... Qu'est-ce que je m'en fous, maintenant? Je lui dis à la con, refais tomber des statuettes, mais pas dans le panier. Oui, on pourrait essayer. Donc là, il faut que je fasse une 12-12-12. Voilà, il faut que je fasse une 12-12-12. On va faire une 12-12-12, ça c'est bien enclenché, c'est bon. Tac. 12 12 et 12. Chou, mesdames et messieurs, Chou de Neko a eu le nez creux. Et du coup, en fait, comme ça a touché le sol, ça a lancé une explosion qui a fait s'écrouler la boule au centre. Wouah, d'accord. Et boum! Putain, bien joué, Chou. Bien joué! Ah, ça a défoncé le truc. Ça a défoncé le truc. Ok. Petite musique. Pas d'abord. Donc là, du coup, si je monte... Ok, on est revenu tout en haut, dans la joie et la bonne humeur. Donc maintenant je suis rempli tout plein d'éclairs. Et c'est là où on va voir l'animation, où il va se passer quelque chose. Ça va enfin s'ouvrir, non? Eh ben non. Putain, ta mère. On n'a pas l'animation. Attendez, ça servait à quoi d'avoir fait ça, alors? Non mais, on a remis le truc tout en haut à la bonne heure. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Donc, on peut à tout moment retourner dans le laboratoire. Oui. Hein? Photo. C'est où j'avais déjà vu ça? C'est où j'avais vu ça? Bleu clair, bleu foncé. C'est où j'avais vu ces couleurs? Ah, les cristaux de couleur, ouais. Ah mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce qu'on n'a pas les formes. À moins que les formes, c'est ce qu'on trouvera dans le monde de l'autre con. Où on a... bleu clair, bleu foncé,
rouge. Vert. Violet. Et jaune. Ok. En fait, c'est possible qu'on ait fait tout ça pour ça. Qu'on se soit cassé le cul tout ça pour ça. Mais je sais absolument pas pourquoi Cyrus... Atrus... Se serait donné tout ce mal pour faire apparaître ça, quoi. Mais non, parce que ça a l'air d'être l'œuvre de son frère. C'est peut-être son frère qui a caché... Poc poc. Ou alors... Non. Oh. Pourquoi il aurait caché ça là? Ou alors il faut qu'on trouve une correspondance entre des formes de cristaux et cette espèce de d'ordre là avec les 6. C'est pas évident hein. Est-ce qu'on retourne alors en arrière? Est-ce qu'on a fini avec ça? Est-ce qu'on en a fini avec ça? Je pense que oui. Ça prendra rien de plus ici. Ouais. Bah écoute. On se barre, je pense que. On est bon. Attendez, je pense à un truc. Donc ça, on a ça. Tête, cœur. Je pensais à ça en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 aussi là. Tête, cœur, destin, santé, progéniture, vie. Je suis une enfant de l'eau. Est-ce qu'on va pas trouver un lien avec ça plus tard? Avec les couleurs, avec ça. Ok, bon, retour sur... sur je sais plus comment s'appelle ce monde. Le monde principal. Allez. Zou. Allô? Je qui plante ou je qui plante pas? Ah d'accord, je qui plante. Je veux passer la cinématique. Ah voilà. Ok, donc je pense qu'on a fini avec ce monde-là. Ici, on peut toujours rien faire dans ce monde ici, dans le monde principal. Donc on va peut-être commencer à s'attaquer enfin à l'autre monde nul, celui d'Akenar. Ok, bah c'est parti. Waouh. Arg. Arg. You are a pirate. Oui. C'est juste un bateau échoué, ce monde-là? Non. Ah oui, non. Ah si, peut-être. Ah non. Ah, la voilà, là. Alors lui aussi, il a réussi à faire exploser les barreaux. Mais lui aussi, il a... De l'électricité. Des cristaux. Son frère l'a libéré. Son frère l'a libéré.
Ça, c'est fort possible. Elle est venue ici. Pas sûr. Ah, pas sûr, mais... Putain, j'en sais rien. Eh, mais les deux frangins, faut vraiment qu'ils arrêtent. Hein. On va les foutre sous Xanax, à vie, et puis voilà, ils arrêteront de casser les couilles. Ah, je peux aller là. C'est... Crabe ! J'ai été crabe dans une autre vie. Ok. Donc là-bas... Alors ici, il n'y a rien d'autre. Non, c'est juste de... Ok. Ici, il n'y a rien d'autre qu'un crabe. D'accord. Ici. Ouais, je peux pas... Je peux pas avancer. Je peux pas monter sur les... À moins qu'il me manque un moyen de locomotion. Ouais, c'est moi où j'ai vu un doigt. Non, il n'y a pas de doigt. Y a pas un cristal derrière le crabe? Ah, je sais pas, j'ai pas vu. Si, si, ouais. Ah! Ah! Ah, putain! Et... Oh, et merde. Bonjour. Ah, les voilà, les deux frangins. Sirius et Kenner. Ils sont foutus sur la gueule. Tu veux pas un whisky d'abord? Sirius et... Ah donc c'est bien Sirius alors qu'il est venu chercher à Kenner. Parce que vu ce qu'il a dans son monde à Kenner, il aurait... Et vu la capacité de... À Kenner, c'est pas quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un de très social qui arrive à manipuler les gens... Mais qui est pas très intelligent. Enfin, ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça, mais... C'est quelqu'un qui arrive à s'entourer. Et à faire rallier des gens à sa cause. Mais c'est pas quelqu'un de scientifique. Donc, c'est fort possible que du coup ce soit Sirius qui soit venu donner un coup de main à Kenner. C'est un commercial, ouais, c'est ça. Ça, c'est, il va te vendre ta mère, mais... Il va arriver à te vendre ta mère, mais c'est pas lui qui a eu l'idée. Ah, oh, j'avais pas vu ça. Alors, monte les marches. Ah, vous voyez. Là, on en est à ce type de peinture-là. Genre, c'est un monstre qui a fait ça. Mais c'est vrai que c'est un créatif, par contre. Ça a l'air d'être un créatif, Akela. Je descends... Ah, je descends vers le bateau, si je vais par là. On retrouve un peu les ambiances... Godzilla. On retrouve un peu les ambiances de Riven, là. Sur l'île et tout. Il a fait une armée de Godzilla, en fait. Vraiment? Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? C'est censé être un point and click. Ah, moi je vais là-bas.
Oh. Bonjour. Un Mogwai. Putain, mais qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Oh. Don't mind me, je passe. Ah, une feuille. Je ramasse la feuille. Je sais absolument pas où je vais. Je sais absolument pas ce que je fais. C'est une peinture, là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Oh! Oh! Le dernier. Tu peux y arriver. Force. Adresse. Courage. Ok. Force. Adresse, courage, la Triforce, et donc le dernier, c'est ceci là. Ouais. Ok, j'ai reproduit le signe, hein, on sait jamais, peut-être que un jour... C'est la Triforce, voilà, un Zelda. Putain, mais ce jeu, c'est comme Zelda qui est comme Mario, hein. Finalement, on y revient toujours au même. Je vais retourner sur la plage, là-bas, là. Je vais aller sur la plage. Oh, putain, qu'est-ce que je donnerais pas, là, pour aller sur une plage, là, j'ai tellement chaud, sa mère. Vous avez chaud chez vous? Alors dites-vous que... Moi, quand je stream, je ferme la fenêtre. Ah bah... Il est mort. Ah! Oh non. Va dans la plage, va à la plage. Éloigne-toi de lui. Ah non, ça va. Nous, on s'en remet. Bah, lui, c'est pas son truc. Lui, il aime pas ça. Putain, mais ici... Grosse musique. Ah. Ah, tu aimes pas ça, hein, l'ami? Ça fait mal. Ça te rend malade, je sais, je sais. Qu'est-ce que tu penserais d'une dose encore plus concentrée? Celle qui est au bout de ma lance. Ah oui. Ah, il est carrément revenu au temps des cavernes, hein, Akena. Hein. Ok, donc Akena, il s'est fabriqué des armes avec... ok, d'accord. Et je peux pas aller plus loin? Ah. Ok. Donc là, on a vu... Une hache. Attention. Ça, c'est un bruit de hache, ça. Ok. Par contre, j'aime bien le fait que, voilà... Ouais, le floutage et tout en fonction de là où se trouve notre... C'est pas mal ça. J'aime beaucoup ce que vous faites. D'accord. Alors, arriver à se retrouver là-dedans, c'est pas simple.
Ça va, tu t'en es sorti, Coco? T'es content? Cool. Retour arrière. Ah putain. J'étais allé par là-bas. Je peux aller là-haut. Je peux aller dans la jungle. Ok. On va prendre de la hauteur. Être à la hauteur. Mogwai. Bonne chance. Où est-ce que je vais? Il y a trop de choses. Ok, je peux retourner dans la jungle ou aller dans un marais. Va pour le marais. Le merdier, putain. Et ils vont me planquer 5 millions de choses partout. Ça va être impossible à se retrouver. On s'enfonce dans le marais. Ah, il y a une créature là-bas. Bonjour. Je t'ai vu, hein. Ok. Continue là-bas. Non, ça c'est là où on était. On peut continuer encore. Merde! Une autre intersection! C'est... La Bretagne aussi, c'est un âge prison! Bien vu! Ah! Coucou! Tu veux qu'on se tire l'oreille? Ok. On va là-bas. Il me suit toujours derrière? Ah non. Ah! Oh! Yes! Gracieux. Noble. Prudent. Stupide. La stupidité peut être une qualité, non? J'ai noté ce qu'il a dit. Je vais renoter le signe. Ça ressemble à un infini, mais un peu brisé. Ok, ça ressemble à ça donc. Ok. Donc ça c'est un autre sigle. Gracieux, noble, prudent, stupide, le chat. C'est pas faux. D'accord, donc ça on l'a, c'est un nouveau sigle. Regardez, c'est joli. Il y a rien à voir avec les autres. Hein. On voit à chaque fois qu'il y a un nouveau mist, ils font vraiment une avancée. Au niveau graphique. Ok, donc là on est bon, on a vu ce qu'il y avait à voir. Un rayon de plus, j'imagine. C'est que de la transition graphique pour faire jouer. Vas-y. Ah! Tu veux que je te suive? Ah, il m'empêche de passer? Ah, il m'empêche de revenir en arrière! Ah non, fallait que je fasse plusieurs fois clic et... Ok. Il a eu peur. Des os. Des os, pas des os. Fesses. Allez, on y va. Beaucoup de bruit ici, quand même. Ah, du coup, les dosages dans lesquels il les a envoyés leur correspondent vachement bien, quand même. Je peux pas le tirer, ça? Non.
Ils sont peut-être habiles de leurs mains, mais ils n'entreront pas en mon absence. Ah! Ah, donc c'est... D'accord, il a fait un système pour protéger l'ouverture des espèces de macaques. D'accord, donc je peux pas tirer. Apparemment, c'est une forme de vie assez... assez évoluée. Ah! Oh! Ah bah voilà, c'est les signes qu'on doit réunir. Je peux pas changer. Ah, il manque un truc. La musique est bien. Ok, donc pour que je rentre dans la l'antre de d'Akena, non c'est un drapeau, l'antre d'Akena, il faut que je trouve les 5 signes, donc j'en ai trouvé 2. Et en espérant que je ne doive pas réparer le 4ème là, parce qu'il a l'air d'être pété. Non mais en vrai, tu tires un grand coup là, tu vois. Bon. En vrai. Comme on a dit à la fois, comme dans Myst 3. Ok. Bonjour. Très gracieuse comme monsieur. Va-t'en. Tiens, je te poke une fois. Voilà. Pas être poké. Ah, tiens, je te poke. Ah bah non, il souffle. Ok. Kazos. Donc on a pris la hauteur. On est allé dans le marais. Dans le marais, donc c'est là où... C'est la suite de l'aventure. Ici. Sens de l'orientation, les amis. Ok, donc là c'était une ligne droite. Je peux aller par là. Une porte. Oh. Hein? Vous entendez? Vous entendez ça? Essayez de franchir cette porte maintenant, maudit Karnak! Karnak? Il n'y a plus de danger. Ils n'arriveront pas à passer. Ok. Ok. Ça, il y a un tableau qui va me permettre sans doute de... À moins que... Non. Ouais, il y a un tableau, ça c'est un truc qui va me permettre de pouvoir passer et d'ouvrir cette porte. Je peux pas encore. À la limite, il va falloir que je fasse un plan. Bonjour! Je te poke. Je te poke. Ah lui, il aime bien être poké. C'est Pokémon. Bonjour papillon. Ok, on avance. C'est retour arrière. Je peux m'enfoncer encore plus. Ah là par contre on arrive dans un canyon. Ah, Mogwai. Salut copain. Je te poke. Toi aussi t'aimes bien être poké. Je te poke. Pokémon 2, de retour. Encore dans mon chemin à 3, c'est pas possible. Ah non, je peux pas aller là-bas. Ok, donc allons là-bas.
On redescend du coup. Hein ? Je suis où, bordel de merde ? Je peux aller là ? Ah non, je descends, d'accord, ok. Ok. Je redescends donc. Ça a l'air d'être une grosse crevasse là, regardez. C'est creusé pour qu'il y ait quelque chose qui roule et qui descende. Ça va se finir en... Ah, il s'est réveillé. Ça va se finir en Indiana Jones, tout ça. En tout cas, il y a la température. Je suis perdu. Je suis là ? Putain, mon dieu, je suis où? Oh la vache. Bon, alors, je vous le spoil tout de suite, mais alors au prochain épisode et au prochain stream de Myst 4, je vais chercher une carte. Je vais chercher une carte sur internet parce que alors là, il n'y a pas moyen que je perde juste 5 heures de jeu juste parce que je sais pas où je suis. Donc je vais chercher une carte sur YouTube, je vais masquer tous les solus, c'est comme ça, je vais chercher une carte. Ça n'est pas possible. On va descendre la gouttière. Ok, on descend encore. Ok. Je peux aller là-bas. Mais, ah si, tiens, c'est intéressant là-bas. Ah non, finalement, c'est pas si intéressant que ça, là-bas. Je retourne en arrière. Et je redescends encore la gouttière. Et j'ai l'impression que je tourne en rond. Je tourne en rond, j'ai déjà vu ça. Oh non. Oh non. Ah. À nouvelle zone. Oh, il a fait un... piège à ours. Bertrand. Ouais. J'ai fait glitcher Léopard. Ok, il s'est transformé en vraiment braconnier, hein, le gars. Hein. En même temps, dans Myst 2, il s'était lui transformé en pirate, hein, donc... Oh. Hein. Couche. Je pars retourner au début, là, non. On installe ça? Non mais... Ah. Ok. Ok. Je retournerais bien dans les débuts pour... Oh mais attends, le fast travel, ça va être tellement merdier. Regardez, toutes les arcs se ressemblent. Ah non, ça va. On arrive à s'y retrouver un petit peu. Voilà. Bah, c'est là où je voulais aller. Retourner au début pour aller voir le navire. Joli oiseau.
Joli dauphin. Ah. Ah 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 ah. Intelligent. Prévoyant. Discret. Et patient. Une patience incroyable. Ok. Ça, c'est juste un carré blanc avec un losange derrière. Ok. Ok, donc on en a 3. 3 sur 5. C'est pas mal. Du coup, en fait, j'imagine que les deux autres qu'on a loupés, ils vont être dans la... Krabby ! Oh ! Où est le crabe ? Ils vont être dans la jungle, en fait. Je peux aller là-bas. D'accord ? Je peux aller là-bas. Il va y avoir un truc quoi, caché dans les... Succès déverrouillé. Si je fais ça. Ah, ça fait l'inverse, d'accord. Ok, donc j'imagine qu'il va y avoir des poids équilibrés. Donc là, il y en a déjà 1, 2, 3 dans la boîte. Ok. Ça marche. Bonjour. Ah. Ouais. Le but c'est de savoir quel poids moi je fais. Ah, et du coup, et là ça... Ah d'accord. Ah bah si le but c'est de me soulever, c'est autant mettre le maximum alors. Déjà on enlève voilà, le surplus de poids. Parce qu'une caisse en bois ça multiplie par 2 mon poids. Bien connu. Et il y en a là. Oh. Oh. Quel est l'intérêt de... Ah, je peux soulever quelque chose, d'accord. Qui aura un équivalent en poids. Ah non, c'était moi. Oh putain, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est juste que je comprends pas le but de la manœuvre, en fait. Ah! Si, le but c'est de me soulever moi, c'est pas de soulever quelque chose. Si le but c'est de soulever moi, j'ai tout intérêt à ne pas mettre un seul poids là, enfin à mettre tous les poids là-dedans et pas en mettre un seul là-dedans. Je crois le but de la manœuvre à part ça. Bon, attends, on va mettre full poids. Ça se trouve il va m'emmener trop haut aussi. Il va falloir équilibrer. Et ça serait pas con non plus. Hop. Vas-y. Ah. Et maintenant. C'est trop lourd. Comment ça c'est trop lourd? Je suis plus lourd que 4 boulets en fonte là. Bah autant équilibrer ça avec ce qu'il y a là-dedans. Là, voilà. Alors, on va dire. Est-ce que un boulet... Oh.
Est-ce que un boulet? Trop lourd. Oh, putain. Alors, vous voyez, comparé au... Quand je vous dis que celui-là, les énigmes sont vraiment moins cool, c'est que dans le 3, par exemple, dès qu'il y avait des choses à équilibrer, de ça, machin, il y avait toujours moyen, en fait, de le faire par calcul. Sans le faire comme je suis en train de le faire, de façon complètement empirique, en essayant de, tout simplement de d'y aller à tâtons, quoi. C'est con. C'est pas marrant. Non. Ou alors, quelque part, on va carrément nous donner la solution. C'est-à-dire que quand je vous dis que c'était mieux d'oser dans le 3, c'est-à-dire que... Bah, il n'y avait pas une solution quelque part, en fait. C'était à vous de la trouver par le calcul. Du coup, c'est pour ça que j'accroche moins au 4, pour l'instant. Le 3 reste le meilleur, hein, carrément. Non, toujours pas. Et full boulet. Et full boulet. Full boulet. Allez. Et full boulet. C'est encore trop lourd. Ok, donc ça marche pas. Donc c'est pas une question de poids dans l'habitacle, c'est une question de poids à soulever. Donc 4, c'est trop lourd. On avait vu que quand il y avait rien, ça marchait. Donc bon, on en verra à chaque fois. Hein. Tant qu'à faire. On va en enlever un à chaque fois. Et on va enlever la caisse. Et on va enlever la caisse. Et on va enlever la caisse. Allez. Là ça marche. Et du coup ça va, ça ira. Ça marche. D'accord. Donc plus tard si on devra... Ouais, ça marche. C'est tout ce qui importe. En fait la caisse avec les boules, ça sert à rien, d'accord. Ça ira peut-être plus tard. Ok. Ah. Je peux pas marcher dessus. Vingt. Quatorze. T'as gagné, bravo. Je monte ça. Je comprends pas. À 20 étoiles, t'es en train de me dire, d'accord, ok. Alors on en reparle en privé, c'est un autre jeu ça. Et je peux tirer au canon ou pas? Ce serait trop classe. Ah mais oui, mais c'est comme ça qu'il a fait. Non. C'est Aria qui voulait participer. Ah c'est ton chat. C'est ton chat qui a appuyé sur 20. D'accord. D'accord, donc c'est peut-être comme ça qu'il a défoncé le machin, il a tiré un boulet là-dedans. Donc il a trouvé un moyen de trouver de la poudre. Hein. Et moi, il va falloir que je trouve un moyen pour aller là-bas. Bah dis donc, cette île, elle a l'air bien complexe. Enfin, elle a l'air complexe, non, elle a l'air bien, bien bordélique. Est-ce que je peux redescendre en faisant ça? Il faut vraiment que je fasse clac et pff, je me casse la gueule en bas. Je me casse la gueule en bas. Voilà. Oh, oh, paf. Regardez, regardez, regardez. Il y a bien un pont. Il va falloir que je le fasse monter. Qu'est-ce que... Ouais, bon, bref. Il va falloir que je fasse monter le pont. Bah ça, par contre, YouTube, on le fera la prochaine fois. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé YouTube. Bah, comme d'habitude, si t'as kiffé, tu mets un pouce. Sinon, je te fais un doigt. Je te fais plein de gros bisous. Je te dis à la prochaine. Ciao.